Liam Noor et Daniel de Secrest Rei, que devient Sublime ex qu'elle a connu avant Vincent Mitley? Ce jeudi 24 novembre 2022, Liam Noor fête ses 34 ans. Un anniversaire particulier puisqu'elle est actuellement bloquée au Maroc. À cause de la guerre qu'il oppose à Vincent Mitley, le papa de son fils et 26 ans. Avant de se mettre en couple avec l'homme d'affaires de 54 ans, elle a notamment connu une histoire d'amour avec Daniel Mkongo. Mais qu'est-il devenu? En 2011, TF1 a donné le coup d'envoi de la saison 5 de Secret Story, remportée par Marie Garay. Une émission à laquelle ont notamment participé Liam Noor et Daniel Mkongo. Les deux habitants de la maison avaient pour secret commun « Nous sommes un faux couple ». Et très vite, la réalité a dépassé la fiction pour le candidat suisse qui avait 21 ans à l'époque. Il était en effet tombé sous le charme de la belle brune. Mais, ne souhaitant pas se rapprocher de lui sous l'œil des caméras, la candidate n'avait donné suite à cette histoire qu'une fois l'aventure terminée. Mais leur idylle n'a finalement pas duré. Style diva place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Daniel Mkongo a donc fait sa route de son côté. En 2012, il a participé à la télé-réalité Big Brother en Italie mais a été viré du programme pour blasphème. En fait, j'ai dit un mot que je n'aurais pas dû dire parce qu'il paraît qu'en Italie, c'est très grave. C'était nom de Dieu. En français, ça n'est pas très grave. Mais en Italie, ils m'ont viré à cause de ça. Surtout par rapport au public qui était choqué. Confiait-il à Télé Loisirs en mai de la même année. Qu'à cela ne tienne, il a poursuivi son évolution loin du petit écran. En 2013, il s'est lancé dans le rap. J'ai eu la chance de faire des concerts en Italie pendant un an et demi. J'ai beaucoup appris, confiait-il à nos confrères de 20 minutes en 2015. Il a finalement préféré se concentrer sur un autre projet, sa marque de vêtements Maison Bastet. Il proposait des t-shirts, sweats, vestes, pantalons ou encore bonnets fabriqués en Italie à base de matériaux de haute qualité. Puis en 2016, il a créé Pacific Avant-Garde. Il y commercialise des parfums, des bougies et même du thé. Côté cœur, on ne sait pas si Daniel Mkongo est actuellement en couple.